messieurs, mesdames. Une journée comme celle-ci ne serait-ce que magnifier, honorer, féliciter, encourager les plus méritants de toute la chaîne éducative de l'IEF de Mignona 2 et d'une solennité combien noble et riche de renseignements et de leçons. Votre choix sur cet illustre monument qu'est Cheikh Shamsidine Diatto Aïdara, je ne dirais pas Shamsidine Diatto, Shamsidine Kevandik, mais Shamsidine Diatto Aïdara, comme parrain de la journée d'excellence, est un honneur pour toute la famille de Cheikh Nachel Mahfou et surtout de tout l'arrondissement de Kadava 1. Nous vous en remercions au nom de toute la famille et au nom personnel de son Khalif général, Cheikh Adam Aïdara. À travers cet acte de grande portée, vous avez réveillé sa conscience, ses œuvres, vous l'avez ressuscité, vous l'avez immortalisé à jamais. Surtout, vous l'avez gravé dans la mémoire de milliers de jeunes gens, de jeunes élèves, de jeunes récipiendaires, afin qu'il soit leur référent, leur modèle, sur qui se fonder pour bâtir leur avenir. L'on pourrait l'immortaliser dans tous les secteurs de la vie, par exemple, dans le secteur de l'agriculture, puisqu'en 1956, il avait obtenu la médaille du mérite agricole français pour avoir propulsé l'arrondissement de Gouloulou vers l'arboriculture. L'on pouvait l'immortaliser pour avoir, en 1948, pris en charge l'effort de guerre de tout l'arrondissement de Gouloulou, ce qui lui a valu la médaille de la philanthropie de la République française. L'on pouvait l'immortaliser pour avoir contribué de manière efficace à la libération de la Guinée-Bissau par son soutien confidentiel au PAIGC, pour avoir fait de l'arrondissement de Gouloulou un point attractif de milliers de réfugiés, mais surtout d'être le défenseur et protecteur des intérêts des peuples de la Casamance naturelle, de la Gambie et de la Guinée-Bissau face à l'oppression du colonisateur, des chefs coutumiers, des chefs de canton et même des nouveaux dirigeants de notre jeune république. Il s'est battu nuit et jour pour donner à ces populations ce qu'on leur a soupiré, à savoir leur dignité, leur gloire, leur honneur. Par contre, il a toujours exigé de ces populations le devoir, le travail, surtout le travail bien fait. Aussi, il obtient en 1968 la médaille du chevalier de l'Ordre national du mérite de la République du Sénégal. L'on pouvait l'immortaliser. Pour sa participation à la protection de l'environnement. Nul n'ignore dans cet arrondissement l'attachement du shérif aux forêts, aux cours d'eau, surtout le marigot de Gouloulou, à la faune et à la flore. Pour vous citer une anecdote, un jour, il a fusillé un de ses fils pour avoir tué un arbre seulement, il a tiré un coup de fusil. En 1988, le shérif, sans pesticides, de la direction de la protection des végétaux, sans tambour ni trompette, a réglé le problème des criquets dans toute la Casamance. Il obtient la médaille de l'Ordre national du Lion. Messieurs, mesdames, en choisant Cheikh Shamsidine Diatto comme parrain de la journée d'excellence et du partenariat de votre circonscription académique, vous avez ouvert les portes de l'IFAN qui était fermée. Où Cheikh Shamsidine Aïdara est mentionné pour ses biens œuvres intellectuelles que le brillant islamologue Rawan Baye a cité dans sa mémoire de thèse. Autodidacte, il est né en 1902 à Dar Salaam Sherif. Nulle part, si ce n'est dans cette localité, qu'il fit valoir ses prouesses intellectuelles en rédigeant 14 ouvrages dans plusieurs domaines, tels que l'histoire de la pénétration pacifique de l'islam dans la sous-région par son père, Cheikh Cheikh Mahfou. La médecine traditionnelle, à travers la pharmacopée dans l'utilisation des plantes médicinales de la Casamance. Pour la science, l'éducation et le savoir, il dira dans un de ses plus grands œuvres que la quête du savoir est comme une cible au lointain qu'aucun projectile ne peut atteindre. Ce n'est pas un gâteau que l'on partage entre copains. Elle ne relève pas du simple. Elle ne se tient pas en bride. Elle ne s'invente pas pour les méchants et les incrédules. L'on ne l'hérite ni des parents ni des hommes. L'on se rabaisse, l'on se bat, l'on s'oublie dans tout ce qui nous a
tout ce qui nous alourdit, l'on va à la tête du s'en va. Donc il faudrait autant d'efforts pour avoir le, pour conquérir le s'en va. Dans ses œuvres, il a parlé aussi de la condamnation du fanatisme, source de l'extrémisme religieux, par une revue des hadiths, des versions coraniques, qui, pour ne citer que cela. Cette grande façade de lunettes du parrain est le fruit de sa dévotion pour l'éducation en général, l'enseignement. L'étude de la langue, la médecine, la préservation des mœurs et des valeurs humaines. Il s'est donné corps et âme pour l'installation de l'école française partout en Casamance. Il a protégé, encadré, émergé et encouragé la plupart des enseignants saint-louisiens en Casamance ne pouvant retourner en vacances au nord pendant la colonisation. Chers récipiendaires, chers élèves et acteurs de l'éducation, voilà votre parrain. Toute sa figure, tout son contenu, toutes ses ressources, vous trouverez en lui toutes les valeurs d'un homme d'une sainteté approuvée. Pour tous, dont les fondements s'abreuvent dans les méandres de l'islam ouvert, partagé, conçu par le meilleur des hommes, notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pour un monde de paix, de compagnie, de solidarité et de passion pour nos prochains. N'a-t-il pas été lui-même honoré la communauté chrétienne par sa présence lors de la consécration du premier évêque, Monseigneur Sagna, fils de la région de la Casamance? Ceci pour dire qu'il a toujours cultivé le dialogue interreligieux, le dialogue islamo-chrétien. Nous vous encourageons, nous vous exhortons à redoubler d'efforts partout pour vous faire valoir. La famille vous dit merci sur ce choix. Nos remerciements les plus chaleureux pour M. Malang Cham, maire de Touloumi, Ablaye Badi, maire de Kataba 1, Youssouf Faye, sous-préfet de Kataba 1, pour avoir eu l'amabilité de proposer cette illustre figure comme parrain. Nos remerciements à toute la famille de Cheikh Rachid Mafou et l'association des imams et oulémas de l'arrondissement de Kataba 1 pour leur contribution efficace et efficiente à la réussite de cette journée. Nos remerciements aux associations de bienfaisance telles que Muslim Hans Sénégal par le biais de son directeur et de son directeur sous-régional, Chérif Saran Kemani Aydara, de Muslim Hans Gambi, de Muslim Sénégal, par ma propre personne, de Al-Nassour Sénégal, par le biais de son directeur général, Mafou Fall, qui est là assis, par Nourou Binako, par le biais de son directeur général, Chérif Cheikh Adam Aydara Kemani. Dans toutes ces composantes, vous êtes donné à cœur ouvert pour faire valoir le mérite d'un tel choix. Pour terminer, nous vous souhaitons à tous nos meilleurs voeux de bonne santé, de prospérité, de réussite totale pour tous les élèves, pour que cette année soit une année de conquête, de redoubler autant d'efforts pour que l'excellence puisse triompher dans cette région. Nous pensons que l'IF mènera tous les efforts pour que le cap soit maintenu et que nous soyons les premiers du Sénégal. Nous vous annonçons le ziara de Chérif Samsidine Aydra devant se tenir du 21 au 22 janvier à Darukhaïr. Toute la communauté enseignante est invitée. Monsieur le sous-préfet, monsieur le préfet, monsieur Lia et monsieur les IF, par ma voix, la famille sollicite que le lycée de Douloulou puisse porter le nom de Chérif Cheikh Samsidine Diakou. Chers récipiendaires de la fête, soit belle. Je vous remercie de votre attention. Merci.